Vamos. Vamos. Bien. Germaine a réveillé tous nos corps, on ne peut pas se rasseoir. Vamos a proseguir. Nous allons poursuivre, Nuncio. Je vous en prie. Nuncio, s'il vous plaît. Bien. Je vais commencer moi-même alors. Nous allons poursuivre pour terminer notre dernière conférence. Comme vous le savez, et nous allons le démontrer aussi dans ces conclusions, ce projet naît d'une utopie. Elle naît de cette utopie lancée par le promoteur de ce projet, qui est Miguel Ángel Moratino, auquel évidemment, eh bien, nous regrettons sa non-présence, une utopie qui était transformée en quelques jours cette île, Saint-Louis, mais également Minorque, avec un rendez-vous international sur la pensée critique et le transformer dans ce que lui, il appelait le Davos culturel, un contrepoids qui puisse contrecarrer certainement cette imposition économique dans laquelle on est et le besoin de construire ensemble une pensée entre deux, une pensée du midi qui puisse contrecarrer ce poids économique. C'est pourquoi nous souhaitons terminer cette journée qui va clôturer cette trobade littéraire pour faire une réflexion autour de ces vérités de l'utopie. Et pour ce faire, j'ai souhaité depuis le début que l'une des voies qui pouvait nous apporter ces voix de l'utopie pourrait apparaître à travers la voix du penseur Nuncio Ordine, car il y a un lien parfait avec ce que nous avons vu cet après-midi. On nous a parlé, ces deux grandes femmes nous ont parlé de ce besoin de l'éducation, de cette transmission, et sans doute le travail de Nuncio est effectivement dans cette ligne, l'importance de l'éducation, des valeurs qui sortent de cette pensée économique, cette pensée considérée inutile et le besoin absolument incontournable de la culture dans ces circonstances. Je vous cède la parole, Nuncio. Bonsoir. Donc, vous pouvez comprendre mon désespoir parce que prendre la parole après ce qu'on a vu tout à l'heure est vraiment difficile et frustrant. Mais je vous demande de m'excuser dès le début si je ne serai pas à la hauteur. Et merci à Sandra pour cette invitation. Et si je suis là, je le dois aussi à Carlos, qui a eu un dialogue compliqué, difficile et impossible avec les autorités sanitaires d'Espagne pour me faire un laisse-passer pour venir ici. Donc, je voudrais cibler mon exposé sur un sujet bien précis, la relation maître-élève et bien sûr le rôle de l'école et de l'enseignement dans la société. Et je voudrais le faire à partir de quelques très belles pages qu'Albert Camus nous a offertes. Je pense bien sûr au premier homme, le roman inachevé, dont Anne a déjà parlé hier, et roman, comme vous savez, qui est resté inachevé à cause de l'accident en 1960 et publié en 1994, 34 ans après sa mort. Le deuxième point, ce sera la célèbre lettre adressée à son instituteur, Louis Germain. Et donc, je vois la coïncidence parce que Germaine, tout à l'heure, nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon maître. Hein, l'expérience que nous avons vue dans cette école de danse. Et la lettre que lui adresse, 2 ans après, en 1959, le même Louis Germain. Et troisième point,
le discours qu'Albert Camus a tenu au Rassemblement démocratique révolutionnaire RDR, fondé par Sartre, Rousseau et les autres, et publié en 1948, Le témoin de la liberté, c'est-à-dire la conférence d'où vient la célèbre phrase « Il n'y a pas de vie sans dialogue ». Mais avant de réfléchir sur les textes de Camus, je voudrais partir d'une prophétique page d'un roman de Charles Dickens, « Temps difficile », un roman publié en 1854. Je dis prophétique parce que vous savez que la littérature, comme les autres arts que injustement notre société estime inutiles, comme la musique, la danse, la philosophie, l'art, sont prophétiques. Dans ce roman s'entrevoit, à mon avis, déjà les dangers issus d'une conception utilitariste et mercantiliste de l'éducation. Nous sommes à Cooktown, une ville industrielle, au Royaume-Uni. C'est une cité où compte seulement l'effet, l'argent, la production, le marché. Ce sont des mots qui rassemblent beaucoup à notre contemporanéité. Une cité dont tous les habitants accomplissent les mêmes gestes et font les mêmes choses. Je vais vous lire ce passage. Du fait, partout du fait, dans l'aspect matériel de la ville, du fait, partout dans son aspect immatériel. L'école n'était qu'effet, l'école de dessin industriel n'était qu'effet, et il n'y avait que des faits entre la maternité et le cimetière, et tout ce qui ne pouvait s'évaluer en chiffres, oh, tout ce qui ne pouvait s'acheter au plus bas et se revendre au plus haut, n'existait pas et ne devait jamais exister dans les siècles des siècles. Amen. C'est magnifique, on n'a pas besoin d'un commentaire, un passage comme ça. Nous allons fermer les yeux et voir notre présent. Mais il y a plus, je cite, « gens également semblables les uns aux autres, qui tous sortaient et rentraient aux mêmes heures, marchant du même pas sur le même trottoir, pour aller faire le même travail et pour qui chaque journée était semblable à celle de la vieille et à celle du lendemain. » Donc, cette description de Dickens, pour moi, nous montre un contexte dominé par l'uniformisation et l'aliénation. Même l'école doit se plier aux intérêts du marché et du profit. Les propos du gros banquier Bounderby, qui est le gros personnage du roman de Dickens, et du pédagogue Gradgrind reflètent parfaitement les lignes directrices d'une éducation visant à combattre tout ce qui s'oppose à la matérialité des faits et à la production. Hostile à un enseignement ouvert à la curiositas, à l'imagination, au sentiment. Gradgrind, ce personnage horrible, est représenté, je cite, avec une règle et une balance et la table de multiplication toujours dans la poche. Pour lui, l'éducation et la vie se réduisent à une pure, je cite, affaire de chiffres, à un simple calcul arithmétique. Les élèves, dans ce contexte, sont considérés comme, je cite, « des petits pichets assis devant lui et qui allaient si bien être remplis de faits ». Or, cette description prémonitoire est aujourd'hui devenue malheureusement une réalité. Depuis de nombreuses années à présent, les paramètres internationaux de l'éducation sont conditionnés toujours davantage par les directrices de certaines agences transnationales, publiques et privées, dont la finance et le commerce sont la raison d'être. Alors, nous ne le savons pas, mais aux experts de la Banque mondiale,
de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Organisation mondiale du commerce, ces trois institutions, ces trois agences, revient la tâche d'indiquer les critères pertinents pour l'éducation et l'apprentissage dans les écoles de tous les États membres. La même logique est à l'œuvre dans les critères quantitatifs, dans les critères quantitatifs qui déterminent les avis des concours et la distribution des financements pour les universités et la recherche scientifique. Ce matin, la collègue physicienne nous a montré l'importance de la recherche de base, qui est considérée inutile parce qu'elle ne produit pas tout de suite de l'argent. Eh bien, quels sont les mots clés aujourd'hui ? Rapidité, production, court terme, marché, monolinguisme, c'est-à-dire un anglais globish, comme on dit, qui doit substituer toutes les langues du monde. Le résultat de ces tendances, le fruit de cette pédagogie que j'appelle marchande, commence à être connu. Je vais vous raconter une histoire. En Italie, le dernier test auquel ont été soumis les élèves de l'école primaire, donc imaginez-vous Albert Camus entre 7 et 9 ans, en 2018, je parle en 2018 en Italie, contenait les questions suivantes. Première question, j'aurai toujours assez d'argent pour vivre. Deuxième question, je réussirai à acheter les choses que je veux. Alors moi je pense que poser des questions comme celle-là à des enfants entre 7 et 9 ans, c'est un crime que malheureusement ne suscite pas aucun scandale. J'ai écrit un article sur le Corriere della Sera, j'ai reçu beaucoup de lettres, mais je n'ai pas vu en prison les personnes qui ont eu le courage d'écrire ces choses-là et de les demander aux élèves. Le but de l'éducation, en parfait accord avec la religion du profit qui domine le monde entier, doit être de foisonner des futurs consommateurs. Nos élèves doivent être des futurs consommateurs. Les principes idéologiques défendus chez Dickens par le banquier Banderby et le pédagogue Grandgrind s'incarnent désormais dans un lexique emprunté exclusivement au monde de l'économie. Vous savez que les premiers deux mots que les étudiants apprennent quand ils s'inscrivent à l'université, c'est crédit et débit. Alors, vous savez, le langage n'est jamais neutre. Si on appelle crédit et débit, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'éducation. Eh bien, dans toute l'école du monde, maintenant, on parle de ça. L'école moderne, l'école du futur, comme la pandémie, malheureusement, nous a fait comprendre, semble être assurée par les ordinateurs et la mise en réseau. La leçon magistrale, le professeur que donne son cours aux élèves, est désormais considéré comme un outil obsolète auquel il faut substituer des spectaculaires logiciels didactiques multimédia. Nous sommes en train d'oublier qu'aucun ordinateur ne pourra jamais changer la vie d'un étudiant. Nous l'avons complètement oublié, ça. Et qu'au fil des siècles, que ce soit dans une petite cabane en Calabre ou en Afrique, ou dans un igloo au pôle Nord, ou dans une grande université européenne, il y a toujours un petit miracle. Il y a un bon professeur qui peut changer la vie d'un élève. Et je peux le dire parce que c'est un témoignage personnel. C'est pour ça que quand j'ai lu les pages d'Albert Camus, je suis là, il faut le dire, avec un faux passeport, parce que je ne suis pas un expert de Camus. Mais j'ai lu Camus en amateur, attiré par ses idées justement sur la relation maître-élève, et bien sûr sur toute une série de choses qui ont touché aussi ma vie personnelle. Donc, seulement les bons professeurs, dans l'anonymat et la discrétion,
ont réussi à changer le destin de leurs élèves. Pour cette raison, je partage toujours avec mes étudiants, depuis une vingtaine d'années, la lettre qu'Albert Camus envoyait en 1957 à son instituteur du collège d'Alger, quelques jours après avoir reçu le prix Nobel. C'est singulier quand même. Un écrivain reçoit le prix Nobel. Et au moment où il reçoit la plus grande honneur qu'on puisse faire à un écrivain, qu'est-ce qu'il pense à sa mère et à son instituteur de l'école primaire, lui, Germain. La collègue a lu la lettre, mais je pense qu'il faut la relire. Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni cherché, ni sollicité. Mais quand je n'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un des petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Je pense que cette lettre peut nous donner véritablement l'idée de ce que doit être le véritable enseignement, la véritable mission de l'enseignement, c'est-à-dire changer la vie des étudiants. Bien sûr, pas, la mission, ce n'est pas de penser à nos étudiants comme des futurs prix Nobel. Camus a été une exception. Mais comme j'ai dit, chaque jour, dans chaque petit village du monde, il y a un professeur qui peut changer la vie de quelqu'un. Et ça, c'est très important. Un maître qui doit s'occuper de la formation, qui doit s'occuper du citoyen, qui doit s'occuper de former l'homme. Un maître qui croit que la fonction de l'éducation doit être celle d'offrir aux élèves le moyen pour apprendre à vivre, pour exercer la critique, pour comprendre les fausses valeurs qui dominent à l'intérieur de notre société. Bien sûr, je ne vais pas faire aujourd'hui de l'école d'Alger un modèle. Non, ce n'est pas ça le but de mon discours. Je vais au contraire analyser comment Camus décrit son maître, lui, Germain, ce maître singulier qui lui a changé la vie. Et donc, dans le premier homme, nous retrouvons des éléments qui nous aident à réfléchir sur le rôle très important qu'il peut avoir un maître dans la vie d'un élève. Jacques Cormery, vous le savez, vous l'avez plusieurs fois entendu, le personnage qui se rend à Alger pour reconnaître son passé, reconnaît que son instituteur, M. Bernard, est secouru cette affaire parce que plusieurs fois dans le roman, c'est un roman inachevé bien sûr, mais c'est intéressant de voir que dans le chapitre dédié à l'école, deux fois, trois fois, à la place de mettre M. Bernard, Camus met directement Germain, M. Germain. Donc c'est singulier, c'est-à-dire il oublie que c'était le personnage et il le rend vivant. Je voudrais vous lire cette citation qui est très belle. Car M. Bernard, son instituteur de la classe du certificat d'études, avait pesé de tout son poids d'homme à un moment donné pour modifier le destin de cet enfant dont il avait la charge et il l'avait modifié, en effet. Eh bien, le même rôle, le professeur
qui change la vie est confirmé dans les pages initiales du roman. La visite que Jacques rend à M. Malan, qui habite dans la même ville où il y a son père au cimetière. Quand il va dans cette ville, il va rendre hommage à son père et à son professeur. Alors, le manuscrit nous révèle, entre parenthèses, les initiales JG. Donc, Monsieur Malan, peut-être tout le monde pense que soit Jean Grenier, son professeur de philosophie au lycée d'Alger. Camus lui dédie l'envers et l'endroit, son premier livre en 1937, et l'homme révolté en 1951. Jacques reconnaît que Malan lui avait ouvert toutes les portes des choses qu'il avait aimées dans sa vie. Je vais vous lire la citation. Parce que, continua Cormery, lorsque j'étais très jeune, très sot et très seul, vous vous souvenez à Alger, vous vous êtes tourné vers moi et vous m'avez ouvert, sans s'y paraître, les portes de tout ce que j'aime en ce monde. Jacques reconnaît que Malan lui a donné beaucoup. Parce qu'il dit, le fait d'être doué, ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a encore une belle citation sur ce sujet, quand il dit, je voulais vous dire seulement que je vous aime avec vos défauts. J'aime, non, alors, ce n'est pas ça la citation, excusez-moi. Et voilà, elle est là, elle est là. Donc, oh, vous êtes doué, certainement, mais au plus doué, il faut un initiateur. Celui qui la vie un jour met sur votre chemin, celui-là doit être pour toujours aimé et respecté, même s'il n'est pas responsable. C'est là, ma foi. Donc, Jacques, Albert exprime sa foi, exprime sa gratitude vers le professeur qui a changé la vie. Oui, le rôle du maître doit changer la vie et en même temps doit aider à vivre. Et ici, dans un autre passage, il dit « Je voulais vous dire seulement que je vous aime avec vos défauts. J'aime ou je vénère peu d'êtres. Pour tout le reste, j'ai honte de mon indifférence. Mais ce que j'aime, rien, ni moi-même, ni surtout pas eux-mêmes, ne fera jamais que je cesse de les aimer. » Et donc, c'est une déclaration d'amour pour un être exceptionnel qui est le professeur. Donc, dans le chapitre dédié à l'école, Camus insiste sur l'importance de la relation maître-élève sous l'importance du dialogue entre maître et élève. L'instituteur Bernard était un homme exceptionnel. Sa façon d'enseigner marquait la distance entre lui et les autres instituteurs. Monsieur Bernard ne pense pas que les élèves soient des petits pichets assis devant lui et qu'il fallait remplir, comme on a vu dans le passage de Dickens. Au contraire, non. Il nourrissait la faim de ses élèves à travers la curiosité et en respectant la diversité des élèves. Non, l'école ne leur fournissait pas seulement une évasion à la vie de famille. Dans la classe de M. Bernard, du moins, elle nourrissait à eux une faim plus essentielle encore à l'enfant qu'à l'homme, et qui est la fin de la découverte. Dans les autres classes, on leur apprenait sans doute beaucoup de choses, mais un peu comme on gave les oies. On leur présentait une nourriture toute faite en les priant de vouloir bien l'avaler. Dans la classe de M. Germain, pour la première fois, ils sentaient qu'il existait et qu'ils étaient l'objet de la plus haute considération.
on les jugeait dignes de découvrir le monde. Ça, c'était notre thème du dialogue. C'est-à-dire, un dialogue réel, authentique, doit reconnaître l'autre. Et le maître reconnaissait ses élèves. Le maître les voyait comme personnes. Eh bien, il y a une autre citation, excusez-moi, parce que là, avec les pages, j'ai fait les photocopies à la dernière minute. Donc, où il dit, et même leur maître ne se voulait pas seulement à leur apprendre, ne se voulait pas seulement à leur apprendre ce qu'il était payé pour leur enseigner, il les accueillit avec simplicité dans sa vie personnelle. Il la vivait avec eux, leur racontant son enfance et l'histoire d'enfant qu'il avait connue. En reconnaissant les élèves, le maître le faisait rentrer dans sa vie personnelle, donc il racontait sa vie et donc ce dialogue humain où les élèves sont très importants pour le professeur et les professeurs sont très importants pour les élèves. Donc Bernard ne gave pas les élèves comme on gave les oies. Aujourd'hui, vous savez, dans les écoles, on va former des poulets en batterie. Prêtes, comme on dit, pollo de engorde en espagnol, non, me parece, non? Et prêtes pour le marché du travail. Bernard considère les élèves pas comme des clients, parce qu'aujourd'hui, les élèves sont des clients qui achètent les diplômes, les universités, des entreprises qui les vendent, comme les écoles. Non. Bernard considérait les élèves comme des êtres humains qui méritaient la plus grande attention du maître. Et donc, il ne fournit pas une nourriture toute faite. Au contraire, Bernard, autre élément du dialogue, écoutait, observait, s'est dédié totalement à ses élèves. Et donc, il y avait un dialogue qui passait aussi à travers le silence, à travers les regards, à travers les gestes. Donc le dialogue ne passe pas seulement à travers la parole. On l'a démontré notre ami avec son école. Le corps, c'est pour ça quand on enseigne non, aujourd'hui avec la télématique, les professeurs perdent le contact avec les élèves. Moi, je regarde toujours mes élèves dans les yeux. Et quand j'étais jeune, et je voyais les yeux des élèves dans l'air qui regardaient, le soir, je rentrais à la maison, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi je n'ai pas pu attirer l'attention de mes élèves? Il faut que je travaille plus. Parce que ce n'est pas seulement les élèves qui apprennent, mais ce sont les professeurs qui apprennent aussi des élèves. Bernard nous apprend que pour enseigner, et ça c'est un point comme on l'a vu, il faut accueillir dans sa propre vie personnelle les étudiants. Donc, enseigner, être professeur, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Et ça, c'est important parce que ça passe à travers les pages formidables de Camus. Donc, Bernard n'était pas dogmatique. Nous revenons au dialogue. Il était, par exemple, anticlérical, mais en même temps, respectait la religion. Il condamnait tout ce que empêchait la discussion. Et dans la lettre qu'il adresse à Camus en 1959, il explique d'une façon claire tout ça. Je vais vous lire un petit passage. Avant de terminer, je vais te dire le mal que j'éprouve en tant qu'instituteur laïque devant les projets menaçants ourdis contre notre école. Je crois, durant toute ma carrière, avoir respecté ce qu'il y a de plus sacré dans l'enfant, le droit de chercher sa vérité. Le droit de chercher sa vérité. Aujourd'hui, la vérité est, au contraire, servie sur un plat et les élèves doivent être homologués à cette vérité du profit, de l'argent et du monde du marché. Je vous ai tous aimés. Et crois avoir fait tout mon possible
pour ne pas manifester mes idées et peser ainsi sur votre jeune intelligence. Lorsqu'il était question de Dieu, c'est dans le programme. Je disais que certains y croyaient, d'autres non, et que dans la plénitude de ses droits, chacun faisait ce qu'il voulait. De même, pour le chapitre des religions, je me bornais à indiquer celles qui existaient, auxquelles appartenaient ceux qui, à qui cela plaisait. Pour être vrai, j'ajoutais qu'il y avait des personnes ne pratiquant aucune religion. Donc, comme vous voyez dans la lettre, il est conscient de tout ça. Mais la chose plus importante, c'est que pour enseigner, et ça c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté dans mes livres, Bernard nous apprend que pour enseigner, il faut aimer les choses qu'on enseigne. C'est pour ça que le professeur n'est pas un métier. Si je n'aime pas la littérature, si je n'aime pas la danse, si je n'aime pas la philosophie, si je n'aime pas la musique, si ces choses-là ne font pas partie de ma vie à l'intérieur, parce que je les ai vécues en tant qu'homme, en tant que personne, c'est impossible de transmettre un savoir. Je peux transmettre les choses que j'aime à mes élèves et mon amour passera, mais transmettre sans amour signifie ne transmettre rien aux élèves. Je vais vous lire ce passage. Il écoutait seulement avec tout son cœur, c'est Jacques, une histoire que son maître lisait avec tout son cœur. Donc il faut enseigner avec le cœur, il faut enseigner avec amour. Aimer les choses qu'on enseigne et, comment dire, faire surgir à l'intérieur de soi-même cette passion signifie être un bon professeur. Max Scheler, en citant une phrase de Goethe, le dit clairement, la connaissance que nous pouvons transmettre est proportionnelle à l'amour que nous avons pour les choses que nous sommes en train d'enseigner. Plus j'ai d'amour, plus cet amour va passer dans les cœurs et fait vibrer les cordes de l'âme des étudiants. Camus, à travers l'expérience de Louis Germain et de Jean Grenier, nous fait comprendre qu'enseigner est une vocation. Une vocation que va bien au-delà de l'enseignement en lui-même et le dialogue humain entre le maître et l'élève, une interaction vitale pour l'un et pour l'autre. Et il y a des pages magnifiques dans ce roman, Le Premier Homme. Je dois dire que ce roman m'a beaucoup frappé parce que j'ai retrouvé une partie aussi de ma vie personnelle. Mais les pages très émouvantes quand Germain va parler avec la grand-mère du petit Albert. Parce que vous savez, à la fin de l'école primaire, Camus était destiné à aller travailler pour apporter de l'argent à la famille. Eh bien, Germain se rend compte que Albert était doué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux convaincre? Il attend la réponse de la famille et la grand-mère décide, non, tu dois aller travailler. Qu'est-ce que c'est cette histoire du lycée? Tu dois apporter de l'argent. Eh bien, Germain décide d'aller parler avec la grand-mère. C'est des pages magnifiques, c'est une scène magnifique. Et je voudrais vraiment m'attarder sur ces choses-là, mais je ne peux pas le faire. Et dans ce dialogue, je voudrais seulement vous donner la dernière partie. Parce qu'à un moment donné, la grand-mère dit, « Très bien, mais qui va préparer mon petit-fils pour faire l'examen ?» Germain dit, « Bon, je le préparerai moi-même pendant l'été. » Et la grand-mère dit, mais vous savez, monsieur, moi, je ne peux pas vous payer. Regardez la réponse de Germain. La grand-mère, j'ai oublié. Vous m'avez dit que vous donneriez des leçons supplémentaires à Jacques. Bien sûr, dit monsieur Bernard. Et il ne va pas s'amuser, croyez-moi. Mais nous, ne pourrons pas vous payer. Monsieur Bernard l'a regardé attentivement. Il tenait Jacques par les épaules. « Ne vous en faites pas. » Et il secouait Jacques. « Il m'a déjà payé. » Il m'a payé avec son travail. Il m'a payé avec son amour.
Il m'a payé avec les choses qu'il a apprises à l'école. Eh bien, je pourrais encore m'arrêter sur d'autres très belles pages, mais il faut revenir au petit essai qui a donné le titre à ce colloque, « Le témoin de la liberté » en 1948. Il est écrit « Il n'y a pas de vie sans dialogue ». Eh bien, nous le savons, là où il y a le dogmatisme et la pensée unique, il n'y a pas de dialogue. Donc, il n'y a pas de vie. Quand on veut unifier le monde entier au nom d'une théorie, au nom de l'argent, au nom du profit, il n'y a pas d'autre voie que de rendre ce monde aussi décharné, aveugle et sourd. Il n'est pas d'autre voie que de couper les racines mêmes qu'attachent l'homme à la vie et l'homme à l'homme. Camus dit, ici on ne cherche pas l'unité, parce que l'unité est avant tout l'harmonie des contraires. Non, ici on cherche la totalité, et la totalité est l'écrasement des différences. Et nous savons, on l'a bien expliqué tout à l'heure, l'importance de la différence. Les différences sont la richesse de l'humanité. Ce n'est pas un obstacle, sont la richesse. Eh bien, le culte des chiffres et des mesures ont désormais pollué tous les aspects de l'éducation et de l'enseignement dans les écoles et dans les universités dans le monde entier. La logique computationnelle semble être devenue le moteur naturel d'une conception entrepreneuriale de l'éducation entièrement polarisée sur les prétendues exigences du marché. L'entreprise école, l'entreprise université vend les diplômes tandis que les étudiants clients les achètent dans l'unique but d'obtenir un laissez-passer pour rentrer dans le monde du travail. Les écoles et les universités peuvent acquérir leur prestige par une série de classements internationaux où la valeur commerciale des établissements monte et descend à la manière des actions et des marchandises dans toutes les bourses du monde. L'évaluation ne se contente pas de mesurer, parce qu'on dit qu'il faut évaluer pour améliorer. Non, non, l'évaluation ne se contente pas de mesurer. Elle oriente la recherche et l'enseignement en leur indiquant la direction à suivre dans le futur. À la base de chaque choix est le business au centre. Vous savez, chaque année, je pose une question à mes élèves. Moi, j'ai choisi d'enseigner à la première année à l'université. Normalement, les professeurs d'une certaine âge pensent que le master, c'est plus prestigieux. Non, je parle toujours aux élèves qui arrivent à la première année. Parce qu'il y a un philosophe italien, Giordano Bruno, qui raconte une histoire très belle. Il dit, la vie est comme une chemise. Non? Vous avez les boutons. Si vous mettez le premier bouton dans l'endroit erroné, tous les autres vont se mettre dans l'endroit erroné. Et alors, c'est pour ça qu'il faut prendre les élèves à la première année. Moi, j'ai fait ce choix. Je pose la question, pourquoi vous êtes venu à l'université? Vous êtes inscrit à l'université? Les étudiants sont étonnés parce qu'ils disent, professeur, pour prendre la maîtrise, pour prendre un diplôme. Alors, je pense que le travail aujourd'hui d'un bon professeur est de faire comprendre à ses élèves qu'il ne faut pas s'inscrire à l'université pour prendre une maîtrise. Il ne faut pas aller dans une école secondaire pour prendre un diplôme. Non, parce que la culture, le savoir sert pour nous rendre meilleurs. Ça, c'est l'objectif principal, pour créer des femmes et des hommes libres, doués de sens critique, qu'aujourd'hui, on a perdu à cause de ça. Eh bien, dans ce contexte où les élèves pensent qu'il faut étudier pour apprendre une profession et après gagner de l'argent dans le monde du marché, nous, on va corrompre les étudiants. Je dois vous dire, les étudiants
quand on parle de ces sujets-là, nous écoute. Les étudiants s'émuent. Et je peux vous garantir tout ça. Moi, j'enseigne dans une région très pauvre d'Italie, la Calabre. Et j'ai choisi d'enseigner là-bas. C'est un choix. Parce que sans l'université de Calabre, je n'aurais jamais fait l'université de ma vie. Donc c'est une dette que j'ai envers cette université, envers cette région qui m'a permis d'être ce que je suis. Eh bien, je vois que les élèves demandent des valeurs. Faire croire aux élèves qu'il faut étudier pour acquérir un titre, pour travailler et gagner de l'argent, c'est une misère immense. Une misère immense. Eh bien, le rapport maître-élève dans ce contexte dont je vous parle d'aujourd'hui est devenu très marginal. Je pense qu'il y a des professeurs dans cette salle qui enseignent dans les lycées, dans les universités. La vie d'un professeur est devenue la vie d'un bureaucrate. Il faut passer d'une réunion à l'autre, il faut remplir des dossiers, il faut participer au conseil de fac, au conseil de département, au conseil de doctorat, au conseil de tiers mission, au conseil de X et Z. Mais la dernière des choses qu'on demande à un professeur est de faire de la recherche, de préparer ses cours et de parler à ses propres étudiants, comme Germain parlait à ses étudiants. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Mais semble-t-il qu'aujourd'hui, le système d'évaluation va dans cette direction. Donc, dans ce contexte, le page de Camus sur son maître, je vais terminer, nous aide à redécouvrir le rôle central de l'enseignement dans la formation des élèves, le rôle central du dialogue humain entre professeurs et élèves. Albert Camus, Jacques Cormery, exprime un amour pour son professeur, un amour que beaucoup d'entre nous ont connu. Parce que quand on me demande, cet élève, dans certains conseils, non, cet élève a une attitude naturelle pour la philosophie, l'autre pour l'art, l'autre pour la littérature. Non, comme si attitude naturelle signifie que dans mon ADN, j'ai la philosophie, l'histoire de l'art, la chimie, la mathématique. Non! Les élèves aiment les disciplines dont ils ont eu la fortune de rencontrer un professeur qui les a fait aimer les disciplines. Et nous le savons, il faut fermer les yeux pour se rappeler du professeur qui m'a fait aimer l'histoire, la littérature, la philosophie. Et si je suis professeur de littérature, parce que j'ai trouvé des bons professeurs qui m'ont fait aimer la littérature, je n'avais pas la littérature dans l'ADN. Eh bien, Camus reconnaît tout ça. Et c'est une dette, encore dans le premier homme, où il dit « Cet homme-là qui parlait aujourd'hui à son canari et qui l'appelait petit, alors qu'il avait 40 ans, Jacques n'avait jamais cessé de l'aimer. » Donc Jacques, essaye d'expliquer cette dette de gratitude envers son professeur. Et alors, ces pages nous font comprendre que le but de l'enseignement ne peut pas être l'acquisition d'un diplôme. Non. Le but de l'enseignement, et je voudrais utiliser ici une très belle métaphore d'une poésie de Cavafis, Ithac. Cavafis réécrit d'une façon très intelligente le mythe d'Ulysse. Nous tous le connaissons. Mais Cavafis dit à son lecteur, attention, parce que l'important n'est pas arriver à Ithaque. Ce n'est pas ça. L'important, c'est de savoir reconnaître et vivre avec intensité l'expérience du voyage pour aller à Ithaque. C'est cette expérience-là qui nous rend meilleurs. Une fois que nous sommes arrivés à Ithaque, on n'a rien à apprendre. Une fois que j'ai le bout de papier de maîtrise, je n'ai rien si j'ai mal voyagé. Et c'est pour ça que l'école d'aujourd'hui et l'université, l'éducation en général, ne comprend pas que ce n'est pas les chiffres. Cette université a licencié 3000 personnes, est une bonne université. Et après, le contenu, ces 3000 personnes, qu'est-ce qu'ils pensent?
comme ils sont. À personne n'intéresse ça. Et ça, c'est le danger de tout ça. Alors, cette poésie Ithaque, nous sommes ici en Espagne et il me faut rappeler un grand poète, Machado, qui parle d'une poésie dont j'ai retenu par cœur deux vers qui m'ont beaucoup orienté dans ma vie. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino al andar. La chose qui compte est l'expérience du voyage que nous faisons. Donc c'est le moment pérennel, continu de ce voyage qui nous rend meilleurs. L'aventure de l'école et de la connaissance est précisément dans un mouvement pérennel, dans un mouvement qui ne change jamais, c'est-à-dire éternel. Donc il y a d'autres pages qu'il faudrait relire de Camus pour savoir que la possession de la vérité génère violence et empêche de la chercher. Parce que vous savez, Camus a écrit beaucoup sur ça. Quand tu penses de posséder la vérité, tu penses que aussi tu peux la imposer aux autres avec la violence. Parce que tu as raison. Et tu, cette violence, c'est pour le bien de l'humanité. Camus a vu tout ça. Camus avait prévu le danger des trafiquants de vérité, des trafiquants de certitude. Non ? Aujourd'hui, sur Internet, dans le monde politique, il y a beaucoup de trafiquants de vérité et de certitude. Bien, encore une fois, qui présume de posséder la vérité n'a pas besoin de la chercher. Les ignorants ne cherchent pas la vérité parce qu'ils croient de la posséder. Et donc, le mouvement de l'école, le mouvement de l'enseignement, ce dialogue entre professeur et élève aide à éviter cette erreur. Camus disait, la collègue l'a cité hier, la pauvreté est une forteresse sans pont-levis. Eh bien, je peux dire, l'ignorance est une forteresse sans pont-levis, c'est-à-dire aucune relation entre l'antérieur des gens qui sont ignorants, il n'y a aucun dialogue possible. Et alors, je voudrais conclure en citant deux petites choses. La première encore des vers de Machado. Machado écrit cette poésie très belle, je vous la lis dans mon mauvais espagnol. Tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guardatela, la tuya, guardatela. Vien conmigo a buscar la verdad, viens avec à chercher la vérité. La tienne, tu peux la garder pour toi. Ça ne sert à rien, il faut la chercher ensemble. Eh bien, ce sont les mêmes mots que je voudrais conclure, avec lesquels Camus a conclu sa conférence dont nous avons trouvé le titre de ces journées qui nous rattachent ensemble dans ces jours-là et autour de ce colloque. Donc, l'utopie de se battre. Parce que quand je parle de ces choses-là, de cette école, on me dit que je suis fou. Parce que je pense une école, je pense une vision de l'éducation, que dans un monde utilitariste comme le nôtre, ne pourra plus revenir. Non, j'ai un espoir. Je pense qu'il faut se battre pour ça. Et se battre parce que, aussi, si notre société considère l'utopie comme dérisoire et vaine, la manière meilleure pour donner un sens très fort à notre vie est celle de se battre pour cette utopie, si nous croyons à elle. Parce que l'autre chose que Camus nous enseigne, c'est cette coïncidence très forte entre notre pensée et notre manière de vivre. Si la philosophie, si la littérature, si notre pensée ne se transforme pas dans une manière de vivre, nous avons perdu la chance d'être des véritables hommes. Et donc, je vais vous lire ce passage où Camus sait bien que les choses qu'il a écrites dans cette conférence peuvent être critiquées. Et il imagine cette critique.
toute l'Europe d'aujourd'hui, dressée dans sa superbe, leur crie que cette entreprise est dérisoire et vaine. Mais nous sommes tous au monde pour démontrer le contraire. Et le colloque et les journées que nous avons vécues ensemble ont eu cet esprit de démontrer exactement le contraire. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions à Nuncio. Nous sommes, je crois, tous sous l'impact. Le dialogue s'instaure au sein de chacun, certainement. Bien, mille merci, Nuncio, une fois de plus. Merci. Au fond qui se croisait oui. Parfaitement bien, ça, c'est grazie très très bien. Non, ça m'a permis un petit peu parce que sinon j'aurais dû couper les citations. Elles sont ça, très belles, très belles. Non, très ça, belles. Ça, ça marchait très bien. Merci Sévère de Machado. Si vous êtes d'accord et même si on a un peu d'avance, je crois que si vous êtes d'accord, on pourrait peut-être poursuivre et par conséquent nous rapprocher à ce que nous avons à présent, qui sont les conclusions. Vous savez que nous aimons toujours, nous cherchons toujours une voie de fermeture pour clôturer, pour réaliser cette union avec toutes les différentes voix que nous avons écoutées tout au long de ces deux journées, des voix que ce que nous avons recherché, ces voix qui reconstruisent ces espaces d'union, de rencontre, finalement cet espace de dialogue. Et nous avons décidé, et normalement je ne l'annonce pas, normalement, qui réalise ces conclusions, mais comme une espèce de surprise cette fois-ci, et cette édition qui, comme une fois de plus, je vous dis, qui est une édition chargée de beaucoup de symboles par toutes les difficultés pour lancer un projet de cette nature dans laquelle on se trouve tous. Et comme ceci était dit, le fait de ne pas nous avoir résignés et que vous soyez ici avec nous pour partager ces deux journées, nous avons souhaité que ces conclusions soient réalisées d'abord par la personne qui a conçu ce projet, un projet qui, en fin de compte, nous avons recueilli d'autres, dans ce cas-ci, moi-même et le reste de mon équipe, pour vous donner à vous tous, qui est Miguel Ángel Moratino, mais qui n'est pas physiquement ici, mais qui le sera avec nous de manière virtuelle.
Et dans ses conclusions aussi, Agnès Piquel, qui avait été présidente des études camusiennes et qui aussi, d'une certaine manière, est également notre amie camusienne, qui, grâce à mon professeur, vous avez parlé de l'éducation et de ce projet, je suis ici parce que j'ai eu un professeur qui est notre professeur, qui est Michel Barré, un professeur de l'ISU qui m'a découvert Camus et qui m'a montré ce personnage de Victoire dans L'état de siège, qui m'a fait jouer ce personnage. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici avec vous. C'est pourquoi je vous laisse avec la conclusion de Agnès Piquel et de Miguel Ángel Moratino. Bonjour Miguel. Ah, on n'entend pas Miguel. Vous m'entendez moi? Oui, oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très, très bien. Je suis ravi. Eh bien, et moi? Non, pas moi, j'ai peur. Non, mais c'est lui qui il m'a dit qu'il commençait. Pardon. Non, je dis que je suis ravi. Mais tu m'avais dit que tu dirais quelques mots, mais si tu veux que je commence tout de suite mes conclusions, non, j'y vais. Non, tu commences toi et après je... On fait comme ça. D'accord. Alors, Miguel ouvrira les perspectives. Je me ferai simplement le témoin de ces journées. Et qu'il est difficile de parler après les intensités que nous avons vécues. Ces troisièmes Trobades nous inviter à réfléchir au dialogue à partir d'une phrase de Camus très simple, presque prosaïque. Il n'y a pas, c'est pas une belle formule, il n'y a pas de vie sans dialogue. Et pourtant, cette phrase a pris pour nous une profondeur étrange après les mois de pandémie, et plus encore au moment où des murs de méfiance et de haine s'érigent partout dans le monde, visibles ou invisibles. Mais par leur nature même, les Trobades sont en dialogue. Nous étions immergés dans notre propos. Certes, le Covid a exercé sa contrainte, donnant des sueurs froides aux organisateurs et nous privant de quelques présences réelles. Mais le bonheur de la rencontre, le désir de dialogue ont été plus forts que tout. Nous avons vécu le dialogue et perçu à quel point il nous tisse au plus profond, dans les mots et au-delà des mots, et à quel point le dialogue empêche que le monde ne se défasse, pour reprendre une autre expression de Camus. Nous avons vécu le dialogue. À tout moment, il s'incarnait sur la scène, entre la scène et le public, dans les couloirs, dans la rue, et aussi à table et à l'hôtel, et jusqu'à aujourd'hui, où Germaine nous a fait tous danser. Je voudrais ici souligner le rôle irremplaçable des traducteurs dans cette circulation, et je voudrais qu'on les applaudisse parce que je les trouve admirables. Merci. De cet incessant dialogue incarné, je rappellerai seulement quelques moments forts avant de reprendre les expressions de fond. Quelques moments forts au fil des jours. J'avais pensé mentionner les nationalités pour rappeler combien toute la Méditerranée était présente à Minorque avec sa passion, aux deux sens du mot, souffrance tragique et engagement courageux. Mais chaque intervenant a une identité multiple, complexifiée par son histoire. Alors je ne donnerai que quelques noms. Mais mon propos englobe tous les intervenants qui, chacun sur son mode spécifique, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, esprit, cœur
et corps généreusement mobilisés dans l'offrande. Offrande à ce public des Trobades, bienveillant et vibrant, généreux lui aussi. Je dirais donc, et que ceux qui ne se sentiront pas mentionnés ne se sentent pas oubliés, ils ne le sont pas, je dirais donc dans l'ordre des événements, et ce sont mes impressions, les visages des lauréats, des prémices, Méditerranis, Albert Camus 2020, le philosophe Edgar Morin, le photographe Abdoshanan, le duo très intense de Noah et Gilles d'Or, voix et guitare, ensemble tressés dans la complicité des regards et des sourires, la table ronde des trois femmes artistes parlant avec ferveur du rôle de l'art, l'échange grave et beau de deux artistes de part et d'autre de la déchirure entre Israël et la Palestine. C'était là. Les textes d'Albert Camus revisités avec finesse et bonheur, les poèmes vibrants de Nathalie, la philosophie vivante, généreuse, exigeante de Joseph, la danse d'Ami. Mais Germaine en a si bien parlé, mais quand même, un corps en dialogue avec l'orage, avec le lieu, avec nous qui étions médusés par tant de puissance et de grâce. Et la danse de Germaine, initiatrice de cette magnifique aventure de la danse africaine. Germaine a incarné le dialogue dans son corps et dans ses mots qui disaient son histoire et sa foi dans la danse. Nous avons été comblés, émus. Sans cesse, nous désirions dire merci. Et je voudrais rassembler tous ces merci dans l'émerveillement de tout ce qui a été donné et reçu pendant ces 3 jours. Notre réflexion sur le dialogue en a déployé les modalités, les exigences, les richesses infinies et aussi les dévoiements et les échecs. Nous avons vu concrètement, à travers les textes, combien le dialogue est effectivement vital pour Camus, mais avec des nuances, des paradoxes, des limites douloureuses. Il y a dialogue là où l'on aurait pensé solitude chez lui. On peut repenser sur le mode musical, la dissonance de l'absurde et du désaccord. Camus a été conscient des fractures dans l'Algérie coloniale. Il a cherché des mots pour dire à la fois ces fractures et le désir de la fraternité devenu impossible. J'ai glané quelques expressions au fil des séances. C'est un peu dans le désordre, c'est un peu impressionniste, c'est une forme de bouquet, ce n'est pas un propos construit, mais je les propose. Ouvrir l'espace, traverser le mur, mettre en circulation, ce qui implique sans cesse mouvement, recomposition. Dialoguer avec le monde, avec les éléments naturels. Mettre le présent en dialogue avec le passé et l'avenir. L'art, initiateur du dialogue, comme une étincelle, car il est lui-même dialogue du créateur et des créateurs entre eux. Nous en avons eu de beaux exemples et tout à l'heure encore, Germaine nous l'a montré avec ferveur. Dialogue implique persuasion, mais persuader n'est pas convaincre. Dans la persuasion, l'autre reste libre, ce qui implique déjà de se faire comprendre. Le dialogue implique les deux. Créer un espace qui laisse la place à la différence et la maintient, ne cherche pas à l'annuler. Le dialogue n'annule rien de la différence. On peut écouter ensemble le désaccord. On peut faire se rencontrer les monologues comme des récitatifs. Nous avons eu de belles métaphores musicales. Dialogue implique responsabilité. Inclure l'autre en soi-même, reconnaître la douleur de l'autre comme la sienne, se laisser toucher, accepter d'être vulnérable. Une des formes silencieuses du dialogue, l'hospitalité, où l'autre est accueilli comme un égal, dans sa différence et dans sa dignité. Le dialogue crée l'espace d'une fraternité à hauteur d'homme.
d'une solidarité des émus, j'ai beaucoup aimé cette expression, d'une conspiration qui n'est pas autre chose qu'une inspiration commune à travailler dans le même sens, à l'endroit de la blessure. Donc, travaillons ensemble à ouvrir partout où nous sommes des espaces de dialogue et de conspiration dans ce sens-là. Et puisque la danse a tant marqué ces troisièmes Trobades, n'oublions pas de danser aussi. Et Camus aurait tellement aimé cela. Merci, merci aux Trobades, à Sandra, à Miguel, à tous ceux, à Carlos, à tous ceux qui nous ont entourés, aidés, portés, qui ont permis tout cela. Merci pour tout ce que nous avons reçu dans ce magnifique dialogue. Miguel. Merci énormément, Agnès. Vous ne pouvez pas imaginer quand je me sens frustré, quand je me sens près et en même temps loin de ces trovades qui me sont tellement chères. Muchísimas gracias a todos. Merci beaucoup à vous tous. Depuis loin, depuis l'Anatolie, depuis très très loin. Alors je regarde mon île, je regarde Minorque, je regarde ma ville de Saint-Louis, cette ville que je porte dans mon cœur. Je vous regarde à vous tous, à tous les participants dans ces troisièmes journées méditerranéennes Albert Camus. Alors je vous envoie, très malheureusement, j'ai des responsabilités. J'imagine que les organisateurs ont dû vous l'expliquer. Mes obligations, mes responsabilités m'ont empêché d'être avec vous. J'ai dû remplacer le secrétaire des Nations Unies en Turquie. Et vraiment, en fait, la mauvaise chance, en fait, donc il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas d'avion qui me permettait de faire un saut, de franchir cette Méditerranée et de pouvoir vous accompagner à ce que je peux voir dans la présentation d'Agnès, donc en fait de pouvoir vous accompagner dans ces grands succès. Alors un succès qui montre depuis les débuts, c'est vrai que nous depuis toujours en fait ceux qui ont été à cette idée initiale de pouvoir donner rendez-vous dans une petite ville à Ménorque, à Saint-Louis, donc l'endroit de naissance de la grand-mère de Camus, en fait de pouvoir organiser cette plateforme de rencontres, de pensées, cette plateforme. En fait, année après année, en fait, des rencontres qui se consolident. Alors, c'est la troisième rencontre. Et à chaque rencontre, en fait, on a constaté l'héritage de Camus est tout à fait d'actualité. En fait, le premier élément que nous avons mis sur la table dans le débat, en fait, est toujours d'actualité. Cet sentiment d'absurde, de souci, d'angoisse, en fait, qui nous interpelle en tant que citoyens du monde et citoyens de la Méditerranée. Donc, ce souci est toujours présent. Et je crois que ce souci, mais que quelque part, cette révolte, ce souhait de révolte, en fait, ne nous quitte jamais. Cette révolte constructive que pour faire un monde meilleur que l'on retrouvait déjà dans l'œuvre de Camus. Et tel qu'on a pu voir dans ces presque trois journées que vous avez pu vivre ensemble, en fait, on a vu ce besoin, cette urgence, cette volonté, comme quoi il n'y a pas de vie sans dialogue. Alors, c'est vrai que vous l'avez montré d'une manière créative, vous l'avez d'une manière fraternelle.
c'est vrai que je dois vous remercier. Je dois vous remercier de toute cette participation, de votre participation pendant trois journées dans cette rencontre fraternelle. Moi, depuis loin, depuis la Turquie, en fait, j'entendais des commentaires, j'entendais des sentiments. Les sentiments et notamment ce qui donne de la force et qui nous permettent de continuer à travailler. Il est toujours difficile de lancer une initiative. C'est un enseignement que je tire de mon expérience. Les premières rencontres, les premières trobades. En fait, c'est vrai qu'il y avait peu de gens ont cru. En fait, il y a très peu qui m'ont accompagné, très peu que je tiens donc notamment à remercier. Et bien évidemment, les maires de Saint-Louis, le conseil de Minorque, je dois remercier le gouvernement de Baléares et à quelques sponsors, en fait, qui, depuis les débuts, ont tenu à nous accompagner dans cet événement culturel pour attirer l'opinion publique, pour attirer, et donc, pour susciter l'intérêt de la part des médias espagnols et des médias internationaux. C'est vrai que lors de la première édition, en fait, personne n'attendait, personne. C'est ensuite qu'on a vécu des moments très compliqués, c'est-à-dire organiser les deuxièmes rencontres. Cette deuxième édition, c'est un peu le test, la preuve la plus difficile, car les deuxièmes éditions montrent bien si nous sommes capables d'attirer, d'obtenir l'appui de la société. Et donc, constater jusqu'à quel point l'effort que nous faisons pour que cela soit un succès mérite le coup, mérite notre effort. Et cette troisième édition, en fait, donc, nous montre que le projet est quelque part agrandi. Cet événement est devenu une référence obligatoire, est devenu un événement obligatoire dans ce qui est la pensée critique dans la Méditerranée et dans le monde. On ne peut pas écarter, on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas le débat qui surgisse à Minorque dans le cadre de ces rencontres méditerranéennes sur la figure d'Albert Camus. Je crois qu'il faut que l'on se consacre, que quelque part ce succès en fait nous montre un peu quelle est la voie d'avenir, la voie de pour. Alors je vous félicite du débat, je vous félicite d'avoir montré qu'il n'y a pas de vie sans dialogue. Mais mes chers amis, le dialogue est nécessaire dans le catalogue que j'imagine que les organisateurs vous ont donc distribué. Ils m'ont demandé donc un texte écrit. Et en fait, pour dire un peu ce que j'attendais, quelles étaient mes attentes par rapport à cette troisième trobade méditerranéenne d'Albert Camus. Et c'est vrai qu'à la fin de mon texte, donc, bien évidemment, après avoir quelque part, approuvé ou d'avoir élogié le dialogue qui est à la base de tout de mon travail, donc l'idée que l'autre, en fait, toute cela, dans mon texte, je vous disais que quelque part, je ne peux pas m'arrêter là. Pour moi, Miguel Ángel Moratinos ne peut pas s'arrêter au dialogue. Le dialogue est la condition nécessaire. Mais pour moi, et je vous l'ai dit en étant complètement sincère et avec tout mon sentiment, pour moi, c'est un mi-échec. Et après ces trois journées de débats, d'échanges, donc de comprendre l'autre, d'écouter l'autre, en fait, nous ne pouvons pas revenir à nos vies
Et donc, on ne peut pas continuer à agir de la même manière. Non, non, il faut qu'on tire des leçons de ce dialogue. Il faut que, quelque part, ce dialogue soit présent sur nos actions, sur nos engagements, sur la volonté de transformer, de changer, de rendre les choses meilleures. Car il faut que l'on réagisse face aux défis, à l'incertitude du XXe siècle. Quelque part, on est de plus en plus... Il faut réagir face à la surveillance, face au totalitarisme. Il faut que l'on soit capable d'extraire des conclusions de ces trois journées, de ces trois journées de pensée critique, et quelque part l'appliquer sur nos vies. Alors je voudrais plus monopoliser la parole, mais je veux vous proposer aux organisateurs d'autres trovas, d'autres éditions, donc pour la quatrième édition il va falloir que l'on regarde un peu ensemble comment est-ce qu'on reprend cette ligne qui nous a été tracée par Camus, mais en réfléchissant ces jours et en ayant le sentiment, en me sentant mal du fait de ne pas avoir pu échanger avec les gens qui ont été présents à Saint-Louis, à Ménarque. Alors, en pensant à cela, en regardant ou en lisant tous les grands acteurs de cette année, tous les invités ou les participants de cette troisième trouvade, en fait, j'ai eu l'envie de consacrer un temps de réflexion et de débat et d'échange aux deux grandes personnalités. Telle qu'Agnès Piquet nous l'a dit, il y a eu beaucoup de personnalités, mais quelque part, je crois que pour développer mon idée, je parle de deux éléments essentiels, deux personnages essentiels de la pensée de ce moment. Alors, logiquement, Monsieur Camus, bien évidemment, il y en a certains qui m'ont déjà entendu dire lors de mes dernières interventions, quand ils me demandent qu'est-ce que l'on peut faire pour innover, comment faire en sorte pour changer la pensée et l'action au sein de la Méditerranée. Alors, merci. Je remercie les journées, ces journées qui m'ont permis de me rendre compte qu'avant l'action diplomatique ou politique pour résoudre des conflits, la toute première tâche que nous, en tant que citoyens de la Méditerranée, nous devons faire est notamment récupérer la pensée de midi. La pensée de midi d'Albert Camus, et donc ce grand roman, et donc qui apparaît dans son grand ouvrage « L'ombre révoltée ». Et cette pensée de midi qui est une manière totale qui montre bien ce que nous vivons à échelle intellectuelle dans le monde du XXe siècle et même au XXe, XXIe et XXe. Nous avons donc, nous, les pays du Sud, on a perdu la bataille dans le monde de la pensée. Camus, quand il défend et quand il propose la pensée du Sud, la pensée du Midi, le fait donc en s'opposant donc à la pensée allemande, à la pensée du Nord, à la pensée autoritariste. J'imagine qu'il a dû nous exposer donc les besoins de la culture et l'éducation comme étant des éléments nécessaires à tout ce qui doit être notre pensée à nous tous. Et nous, les citoyens du Sud, nous sommes résignés intellectuellement, donc résignés à devenir des éléments de la pensée marchande, donc du bénéfice immédiat.
et nous n'avons pas été capables de nous mobiliser dans la défense de cette pensée de midi, une pensée de midi qui doit être revendiquée, qui doit être défendue actuellement. Alors, ce premier pilier qui est la pensée de midi doit nous amener à la complexité, doit nous permettre d'aborder la complexité du 21e siècle. Donc, dans mes lectures, pour essayer de convaincre le grand philosophe, sociologue, le seigneur Morand, pour qu'il accepte le prix de l'année dernière, de Trobade de l'année dernière, alors son apport ultime, c'est-à-dire la pensée du complexe, en fait, c'était le meilleur moyen donc d'établir le pont entre la pensée complexe de M. Morand et la pensée de Midi Sainte, la pensée de la complexité de M. Morand. On n'a pas le temps de vous le présenter, mais je demanderai donc à M. Barrier de penser comment est-ce qu'on peut faire des journées intéressantes et comment essayer de combiner les synergies entre la pensée de midi et la pensée complexe, de la complexité. C'est un peu ce que je tenais à partager. Et à partir de cet écran, très malheureusement, c'est vrai que cette pensée ne me permet pas de vivre l'humanisme qui était très présent dans l'œuvre de Camus. Alors, je vous félicite, je remercie Sandra Monarque, la directrice. Je félicite Carlos, son équipe, les traducteurs et à vous tous, à tous ceux qui ont participé pendant ces deux journées et demie. Je félicite la mairie de Saint-Louis, la mairie de Mahon, le conseil, le gouvernement de Baléares, à tous les médias, c'est-à-dire à tous ceux qui contribuent et qui donc font la diffusion donc de l'esprit critique de Camus. Je vous félicite. Cette pensée critique, je vous félicite car cet esprit critique nous amène à penser qu'on peut arriver à un monde meilleur. Ce n'est pas un monde utopique, c'est un monde où la pulsion de vie doit s'accompagner de la pulsion de mort. Et donc, c'est un athos où nous ayons la capacité de nous révéler ou de nous construire, car nous devons nous révéler face à ce que nous ne devons nous révolter face à ce que nous vivons ces années et ces moments. Et nous devons garder en nous l'espoir solidaire, solitaire, cet espoir créatif qui, en fait, fait en sorte que les mondes, les citoyens de la Méditerranée et du monde, donc qui les amène à créer des espaces de fraternité. Donc, j'espère que l'année prochaine, qu'on aura un peu de chance et que quelque part, tous les satellites, enfin, tous les astres se mettent, nous permettent de nous rencontrer, d'échanger, de rencontrer l'autre et surtout, revêt un monde meilleur. Merci beaucoup. Bien, alors grand merci et une fois de plus, merci à toi d'avoir rêvé et de nous avoir amenés dans cette voie, sans doute une voie difficile cette année, mais dans laquelle nous avons résisté et nous avons pu articuler cette édition de 2021 que nous allons clore à présent. Mais avant même, une fois de plus, je tiens à remercier en te disant au revoir
Et nous allons remercier tous ceux qui rendent possible cette édition, évidemment la mairie de Saint-Louis, sa mère Carole, Déborah et toute l'équipe de Saint-Louis qui nous accompagnait, Mercedes, à Virginie et Marie, à nos co-organisateurs, le conseil insulaire de Minorque, Michael Maria est ici et qui depuis le début nous ont soutenus, à la mairie de Mao, à notre sponsor principal, la Fondation d'encouragement du tourisme de Minorque et nos sponsors du ministère de Culture et du gouvernement de Baléares et évidemment à nos collaborateurs, l'Institut Cervantes, la ministre régionale de Culture et l'Institut des études Baléares, la Fondation La Caixa, l'Université de ces îles Baléares, à l'Union pour la Méditerranée et aussi de pouvoir accueillir cette inauguration au théâtre des deux hôtels qui ont été également nos, qui nous ont soutenus, également Aquitania, qui nous a permis de reconstruire ces foyers dans cette ville qui est notre famille et aux médias aussi qui nous soutiennent. Comme vous le savez, chaque année, pour moi, c'est fondamental que tous ceux qui nous ont accompagnés ces journées-ci puissiez reconnaître et savoir qui est derrière ce projet. Et c'est avec grande fierté que je vais demander à tous qui travaillent avec moi tout au long de l'année, surtout ceux qui sont mon ombre, mon collègue de toujours, Carlos Dominguez. À notre conseiller scientifique, Michel Barré, à Nerea, responsable de design, Javier, mon chef de presse, David Barré et Ana Esquina qui se sont occupés des relations institutionnelles, à Myriam qui est notre community manager, à Jordi Cerda qui est notre web, David Akimbao, photographe, mon ami des vidéos Ana Clara, évidemment nos interprètes durant l'année qui sont aussi ici, Ravisora, Samuel, Isabelle, aux interprètes qui nous ont suivis tout au long de ces journées, grand merci Francis, Frédéric, Belen, Violetta, Susagna, Christina, à ceux qui ont rendu possible notre production, Malder, nos deux conducteurs, Mar, Fanny, nos infatigables Etara, Amal, Anna, à Tono, à Acoustique, équipe des techniciens, Alejandro, Sonia, le transport de Menorque, les imprimeurs et à vous tous, une fois de plus, nous vous attendons en 2023 sous le drapeau les lieux du monde. Jusqu'à bientôt. Merci. Et Sandra Monac. No hay vida sin diálogo y no hay trovades sin Sandra. On ne peut concevoir ces trovades sans Sandra, évidemment. Arquimbao, grandissime photographe et ami. Grand photographe et ami de toujours. Et Mariana Fernandez, évidemment, on oubliait quelqu'un.
sàpigueu del recinte sense que us ho indiqui el personal d'organització. Feu cas en tot moment de les indicacions del personal d'organització. C'est les instructions automatiques. No salgáis del recinto sin que os lo indique el personal de organización. Haced caso en todo momento de las indicaciones del personal de organización.